Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un concept original et sympa qui va vous occuper pendant le confinement. On a pensé avec Lucas à une activité qui pouvait être cool à faire avec pas beaucoup de matériel et qui allait vous occuper pendant vos après-midi de confinement. Le concept est très simple. Je vais commencer par attacher Lucas à une chaise avec simplement une ficelle et une paire de ciseaux pour découper de la ficelle en 2 minutes. Et son objectif à lui sera de se détacher de cette chaise le plus rapidement possible. Après ça, on inverse les rôles et celui qui s'est détaché le plus rapidement a gagné. N'hésitez pas à refaire ce challenge chez vous avec le hashtag escape challenge, comme ça on pourra vous retrouver et voir comment vous vous êtes sorti de certaines situations. Petite précision, lorsqu'on attache la personne à la chaise, l'objectif n'est pas qu'elle ne puisse pas s'échapper, mais qu'elle puisse s'échapper en prenant le plus de temps possible. Donc ne faites pas des nœuds impossibles à défaire ou des situations où ils n'arriveront pas à se défaire de la corde. Donc ne les attachez pas d'une façon à ce qu'ils ne puissent plus se défaire des nœuds parce que c'est pas l'objectif. Bref, on va commencer, je vais rejoindre Lucas. Je vais commencer par l'attacher comme ça vous comprendrez un peu comment ça fonctionne. Et après on inversera les rôles et celui qui aura été le plus rapide aura gagné. Bref, c'est parti. Bon, vas-y quand tu veux là. On arrive dans la pièce qui résonne. Voilà la scène de crime. On dirait le début d'un film porno douteux. J'ai pas le droit donc à des objets pointus, coupants, pouvant mener à une blessure interne ou externe. Non. D'accord. Ego. Alors. Ego d'Anio. Tiens la ficelle. Oui. Voilà. Pardon. Bon les amis, Lucas est attaché. Je vais vous montrer de près vite fait les quelques nœuds que j'ai fait. Son objectif à lui donc c'est de se détacher le plus vite possible. Il faut qu'il n'y ait plus un seul nœud sur lui et qu'il vienne éteindre le chronomètre sur l'iPad qui sera juste ici. Une fois que c'est fait, ça sera donc fini pour lui, ce sera à mon tour. Je vous montre les nœuds de près et puis on commence. J'ai droit à tout. T'as fait un couteau suisse que j'ai dans la poche quand même. Non. 3, 2, 1, Zébardi. Quoi? Mais. Alors, c'est ça. Mais attends, mais comment il a enlevé le. Ah, non, mais par contre, c'est malin parce que. Il avait pas serré ses mains. Oh l'enfoiré. Oh, je suis si déçu. Boum. Quoi? En 34 secondes. Ah, ça va? Bon, mais c'est évadé beaucoup plus vite que ce que je pensais. En fait, je suis un filou. J'ai rien serré du tout, genre même les derrière les poignets, je les ai pas trop serrés. Du coup, il a juste eu à serrer ses poignets pour enlever la corde. Et du coup, bah t'as fait défait aucun nœud en plus. T'as genre rien défait. Bah si, j'ai fait celui-là, mais sinon non. Ah oui. J'ai fait juste celui de ma jambe en fait. Bon bref, du coup, ça va être à moi de me faire attacher. C'est parti. Démarre le long de ton corps. Combien de temps il reste? Ah, 3 secondes. C'est fini. Oh. Alors, comment tu te sens? Honnêtement, attaché. Je suis en position pas très. Je me sens. Et si je ramène une courgette devant toi? Alors, on a un nœud ici, un nœud là-bas, un nœud au poignet. J'ai essayé de faire les doigts, mais ça n'a pas fonctionné. J'avais pas assez de temps, j'ai trompé trop court. On a de même, au coude là et au coude là. Et bah t'as que ça en fin de compte. Ouais, mais j'ai ce poignet seul, attaché seul, c'est plus complexe que. C'est vrai. Que avant. Mais c'est pas. En même temps, c'est pas si. Si serré que ça. Ouais. Faudrait que je me déloque le pouce pour pouvoir sortir. Ça n'est pas bête. 3, 2, 1, c'est là. Oh patate. Oh les poignets, c'était ce que je savais que ça allait pas passer. Ah non. Il va faire moins que moi. Putain, le bâtard, il va faire moins que moi. Putain, 10 secondes de moins. Allez. Je me suis niqué les poignets par contre. Ah. Putain, je pensais pas, tu vois. Mais mec, mais même moi j'ai forcé hein, sur les poignets, je me suis fait les cordes et tout. Regarde les marques. Ça c'est de la violence conjugale ça. Bah non, vu qu'on n'est pas ensemble.
Ah bon? Ah, c'est... Non mais je sais, c'est juste... Mais du coup, on part sur la manche 2 alors. C'est parti. Avec des trucs en plus peut-être. Bon les amis, après mûre réflexion, on a décidé de rendre la chose vraiment plus hardcore et de partir très loin. On va déjà partir maintenant sur 5 minutes de préparation pour attacher l'autre. Et on se permet tout, donc on va vraiment essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas s'échapper cette fois-ci. On va voir comment ça se passe, ça risque d'être bien plus drôle. C'est parti. Toi, ok. C'est parti. Mets tes pieds sous la chaise comme t'as dit avant. Comme ça Non, on recule le plus possible. Ah le bâtard! Alors ça c'est très bien joué. Sauf que si vous lui avez les mains, bah... Oui, t'inquiète. Je sais qu'on est franche, mais quand même. Il reste combien de temps? Oh, assez, t'inquiète. Ce qui me fait rire, c'est que là, il y a les fenêtres qui sont ouvertes et il y a les voisins. Il y en a qui disent... Putain, mais c'est... J'avoue que les voisins avec la vite à voir. Les voisins se prêtent à des jeux peu conventionnels. C'est très bizarre ces plans. Faut faire ça comme un petit saucisson. Ça fait vraiment trop ça. Bah enfin dans le sens il faut que je me détache bien sûr mais le plus faut que je... Ça c'est faut commencer par les mains anyway. Non t'inquiète. T'es curé le parquet peut-être. Mais non t'inquiète. Un carton. Oh putain non fais pas ça. Il est fou. Fais gaffe à tes poignets, fais gaffe à tes membres. Mais t'es sérieux? Voilà. Ok. Viens là, mon cochon. Ok. Bon, bah. Je me sens profondément humilié. Il reste 10 secondes, mais c'est bon, j'ai fini. Alors, le truc qui m'intrigue le plus, c'est que c'est très confortable. Alors. Bon, les amis, j'ai fini d'attacher Lucas. Je vais vous montrer des petits plans de trait pour voir. J'ai plus de sang dans les pieds. On vous montre qu'est-ce que j'ai fait et après c'est parti parce que c'est pas agréable comme position même s'il l'a dit si mais je pense qu'au bout d'un moment ça va être désagréable. Bref je vous montre ça, c'est parti. T'es mal mais genre on dirait je sais pas des toiles de jute remplies de patates. On a des petits nœuds par-ci par-là, la petite barre qui fait plaisir. Les petites mimines. T'as le droit de me détacher avant donc. Ok. Ça, ça va être long quand même. Ouais, je pense que ça va être plus long que l'autre là. Bon, allez, on commence. Je vais te tuer. 3, 2, 1, c'est parti. Je m'attendais tellement pas à ce que tu me foutes par terre en vrai. Je dis non, le sang. Le sang. Oh putain, je fais mal. Où ça? Aux fesses. Ah, merde. C'est quel saucisson. On avait dit debout mais ça là. C'est très bien. Bon, allez, on va pareil, pareil. 2 minutes 09 pour le joueur français. Et on est parti dans 3, 2, 1 et c'est parti. Oh le maître fisseur. Là ça va pas être pareil là hein. Oh merde. Oh non. Il s'est cassé le stylo. Putain ça va, je l'ai réparé. Oui alors la proximité dans cette émission est très importante. Allez mon cochon regarde. Il est bizarre le plombier, maman.
Casse mon jeans, vas-y. C'est pas comme si t'étais rouge. Voilà. Bon bah écoute, moi je suis bien là. Moi aussi, ça va. Bon voilà, parfait. Putain. Alors il a deux trucs au poignet. Ici. Les poignets. Oui, c'est les poignets des jambes. Des jambes. Alors ici. Ça s'appelle les chevilles, je crois. Mais je suis pas sûr. Hein. Dans ton dos, putain, la vache, c'est déjà un gardage de bateau. Genre, oh, il y a une taille. Je sens que c'est n'importe quoi, mec. Je sais pas comment. J'ai pris le soin de lui ligoter un doigt ici. Et là. Et là, ça sert pas à grand chose, mais c'est drôle. Là, il y a des trucs qui passent sous son épaule qui sont ici. Enfin, bref, il y a du. Pas mal de hasard. Il y en a qui passent devant ici. Attention! J'ai pas envie de me détacher en seul là. Je suis au stade où je suis bien et je me dis je vais faire ça demain, tu vois. Ah bah oui, ça va, ouais. Bah écoute, je vais me coucher, je vais fournir. Lucas, je vais avoir des noms. Attention! 1, 2, go! Oh putain. Ah, en fait, ok. Bah dis donc! Ah bah là, je m'attendais pas à ça, dis donc. Bravo. Yes, 1 minute 29. Oh. Je suis nul. J'ai gagné les deux fois. Oui. Oh t'es nul. Oui. Oh mec, là, regarde toute la ficelle qu'elle s'achète. Bon bah bravo, en tout cas tu auras le droit à un cookie. Ouais. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme on l'a dit avant, n'hésitez pas à refaire ce challenge chez vous, à attacher votre grand-mère, votre papy, votre mamie, votre soeur, votre frère, votre chat, votre chien, votre dad. Ouais, j'ai enchaîné, mais j'ai... Putain, bravo. Votre dad, c'est quoi une dad? C'est le papa en anglais. Bref, n'hésitez pas à attacher qui vous voulez. Bien sûr, faut pas le laisser là parce que sinon c'est pas cool. Et ouais, assurez-vous de son consentement. Ouais, ouais, le faites pas s'il est pas d'accord. Hein. C'est pas non plus du. Enfin, faites-le, mais du coup vous aurez des problèmes avec la justice. Quoi. Ouais, c'est ça. Enfin bref, vous avez compris. Faites attention à vous, faites pas mal, vous blessez pas, vous attachez pas non plus pour vous faire mal. N'hésitez pas à refaire le challenge chez vous en utilisant le hashtag Escape Challenge. On regardera tout avec plaisir. Et pourquoi pas refaire un épisode 2 un peu plus corsé avec des épreuves un peu plus. Sur ce les amis, c'était la chaîne du JDV et Lucas et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bisous. See you. Putain, mais y'a trop de meutes. Qui c'est qui a fait ça? C'est qui? C'est lui. Non, quelque chose. Ouais, c'est une fin de tournage. Bravo. Bravo à toute l'équipe, vous avez été géniaux. C'était un tournage très éprouvant, on le sait.